Et salut tout le monde, c'est Mr. Wolf, et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de The Legend of Zelda Wind Waker. Je me fais tirer dessus. Et on va commencer la phase du jeu la plus chiante et la plus longue. C'est quoi? C'est tout simplement récupérer les fragments de la Triforce, du courage. Tout simplement. Mais c'est super long, super chaud. Enfin, vous allez comprendre. Donc, je vais déjà faire une quête. Enfin, essayer de faire une quête. Enfin, ça y est, je me souviens plus des notes. Non, pas celle-là. Pas trop celle-là que je voulais faire. Pas trop. Alors, c'est. C'est ça. Oui, oh, ça va, ça fait longtemps que j'ai pas joué, hein. Donc, on va commencer une quête. Une des quêtes, on va aller sur Marcantile. Non, Marcantile, palais du dragon! Commence bien cet épisode. Commence très bien. En fait, je suis tellement stressé à l'idée de faire les quêtes. Les quêtes pour récupérer justement tous les fragments. Que ça me gonfle déjà. Alors, Marcantile. Marcantile, si je dis pas de bêtises, c'est au sud. Non. J'ai pu. J'ai pu. Tant pis. Je sais plus. Ça m'énerve, je sais plus. Oh purée. Marcantile, voilà. Oui. Donc je vais commencer les quêtes. Hein. Ça va être assez rigolo. Surtout certaines quêtes qui me semblent assez vraiment fun à faire. Bon, je vous les montrerai peut-être pas toutes. Ça dépend de la longueur des trucs. Voilà, c'est. Je vous le dis, c'est vraiment le passage le plus chiant du jeu, c'est de récupérer tous les fragments de la Triforce. Vraiment le passage. Passage qui m'énerve par-dessus tout. Mais bon, on va faire quelques petites quêtes annexes et puis ça ira très bien. Des quêtes annexes en plus de la quête pour la Triforce. Alors, il me semble qu'il y en a une par ici. Il me semble qu'il y a une quête pour la Triforce par ici. Si je me souviens bien, c'est justement pour cette quête que j'avais besoin d'autant de pendentifs du bonheur. Alors, l'école de classe de Madame Barry. Ben alors? Tu as un peu de temps? Oui, allez. Alors, je suis institutrice, j'ai ouvert cette école sur Marcantile il y a un tas d'années. J'adore mon métier, c'est bien. Un petit groupe de 4 élèves qui ne veulent jamais rien écouter. Oui! Ouais? Bah allez! De toute façon, je pense que j'ai pas le choix. Merci. Bon, bah c'est parti. Essayons de raisonner les 4 garnements. Aujourd'hui, on joue à cache-cache. Lève là. Alors, le chef, c'est lui, hein, bien sûr. Tout le monde sait qu'un enfant avec un béret, c'est un chef. Voilà. Voilà. Alors, les abeilles tueuses, oui. Il n'y en a aucun qui est en jaune et noir, donc. Non, bon, laisse tomber. Alors, un coup de la vieille maîtresse. Ouais, alors. Tu veux que je parle de nous? Bah ouais, allez. On va jouer à cache-cache. Donc je vais devoir les retrouver tous les 4. Voilà, donc ils se cacheront pas dans les maisons et quitteront pas l'île. Voilà, donc je ne dois pas fouiller dans les maisons. C'est déjà ça. Allez, parti. Et là, c'est une phase
Qui me rappelle vaguement, hein, vaguement, très vaguement, ça n'a rien à voir. Ça me rappelle la première quête de Majora's Mask. On était obligé de faire aussi comme ça un petit mini-jeu où on devait retrouver des gamins perdus pour accéder au... C'est pas un laboratoire, c'est un truc dans le genre. Alors, il y en a déjà un là. Donc le chef en plus. Alors si je me souviens bien, je peux le faire tomber avec la feuille. Voilà, je suis en face. Ouais, non, je peux pas. Bon, bah, il n'y a plus qu'une seule solution. Eh, genre, je m'en suis souvenu. Bon, ok. Voilà, on va mettre le vent dans cette direction. Comme ça, on va lui sauter dessus. Eh, coucou. Oh, mais je t'ai attrapé. Je t'ai attrapé. Eh, eh connard, je t'ai attrapé. Oh. Non mais la voile, je m'en fous. Qu'est-ce que je fais? Bon, ça marche pas si je lui lance ce boomerang dans la tronche. Hein? Marche pas? Non, marche pas. Je vais pas lui tirer dessus quand même. Ouais, si, allez. Je te tire dessus. Ah, ah, ah. Ok, ça fait rien. Non mais attends, c'est quoi ce bug? Eh oh! Ok, alors là... Bon bah... Je crois que j'ai pas le choix. Voilà! D'accord, en fait, fallait faire ça. Eh oh, ça va, hein. Mon idée était pas mauvaise non plus. Bon, allez, le chef. Viens ici. Donc là, faut juste l'attraper. Normalement, ça devrait être assez simple s'il change pas de direction, connard. J'aime pas les gosses! Et si! J'ai réussi! Putain, il court vite! Petit con. Non mais. Ah! Je t'ai eu! Bon, bah, plus que tes potes. Donc, je sais qu'il y en a un par ici. Ça, j'en suis sûr et certain. Désolé, je suis un peu malade encore. Non, mais non, pourquoi tu vas dans l'eau? Non, tu vas mourir! Ah, purée. Ça va, la terre est pas très loin. Voilà. Où il râle? Où il est pas content, il râle? Où le tu râles? Où le le. Aïe, 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 je vous jure. Alors. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Mais normalement, il y en a un juste là. Si je dis pas de bêtises. Bingo. Il me ferme. Oh mon dieu, il est là. Ah mon dieu. Qu'est-ce que je fais? Eh ben j'y vais. Coucou. Voilà. Il est fou ce gosse. Alors... Je crois que c'est un des plus chiants à attraper celui-là. Il me semble. C'est plus rapide que les autres. Ouais, va voir ton chef. Non! Ah! Saloperie! Ouais, bah. Oh, je vais pas te parler. Il est où l'autre? Il est où? Eh, connard! Connard! T'es où? Genre, je l'ai perdu. Ah non, il est là. Ah, j'ai pas moyen de les assommer. Mais non, je veux pas vous parler, gars. Mais dégagez. Voilà pourquoi c'est le plus chiant à attraper. Mais non. Non, je veux pas te parler. Ouais, va-t'en, je t'emmerde, moi. Non mais... Peu de respect. Ah, j'ai essayé de le gruger, mais ça marche pas. Non! Ah, je l'avais! Putain! Voilà! Fouh! Bon, encore deux.
Par contre, je sais plus du tout où sont les deux autres. Salut. Je sais absolument plus où sont les deux autres. Ah, je suis vraiment désolé pour le... tout sautement. Oui, non, je m'en fous de ce que tu racontes. Moi, je cherche des gosses. Ça va être ça fait 10 minutes que je cherche les gosses, quand même, hein. Wouh. Alors... non... il me semble qu'il y en a un qui se cache ici. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. Non... en bas. Par là, peut-être. Personne. Derrière les fougères? Non. Personne derrière les fougères? Au moins, vous avez le temps de voir la ville, pour une fois. Enfin, voir la ville. Faut le dire vite. Faut le dire vite. Ils rentrent pas dans les maisons, on est d'accord. Alors où ils sont, ces petits cons? Ah, 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 il y a un passage, là. Peut-être qu'il y en a un qui est passé par ici. Peut-être. Ou pas. Ou pas. Ah, oh, fait chier. Je me souviens plus du tout où ils sont. Ah, ah. Trouvé. Je savais bien qu'il y en avait un qui était derrière un buisson. Viens ici. Viens ici. Non, 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 regarde l'autre bar. Non, non. Allez, casse-toi. Les plus chiants, c'est vraiment ceux-là. C'est ceux qui vont dans la ville. Alors, t'es fort. Ouais, je sais. Bon, il m'en manque un. Il m'en manque un seul. Et la question, c'est où il est? Là. Salut. Eddie, t'aurais pas vu un gamin qui traîne, hein? À part moi, non? Bon, tant pis. On va essayer. Là-haut. Qui ne peuvent pas rentrer dans les bâtiments, on est d'accord. Donc il peut pas être là. Ah, purée! Où est-ce qu'il se cache? Allez, merde, j'avais oublié de changer le sens du vent, bon, c'est pas grave. Pardon. D'accord. Ah purée. Je sais vraiment plus où il est planqué le dernier. Là j'ai même pas un indice quoi. Autant je savais qu'il y en avait un qui était planqué derrière un buisson. Mais l'autre... oh, peut-être là. Non? Oh merde. C'est là où on a croisé le lion rouge pour la première fois. Je me suis dit peut-être. Tiens cochon, viens ici, viens ici, viens ici cochon. Viens ici, tu es le fils de Ganon, tu dois mourir. Tu dois mourir. Meurs. Non. Viens. Voilà, bon. Trêve de plaisanterie. J'aimerais bien trouver le dernier. Purée, t'aurais pas vu un gamin, toi? Le boîte aux lettres, non, je m'en fous. M'en fous de la boîte aux lettres. Derrière l'arbre? Non. Dans l'arbre, non plus. Et où est-ce qu'il se planque? Là, j'y étais tout à l'heure. Ouais, j'y étais, il me semble. Il va pas se cacher dans un pot, quand même. Ouh, un gros rubis. Bonjour, madame. Lui, le dragon.
D'accord. Alors. Je sens qu'il y a une quête à faire avec elle, je sais pas pourquoi. Putain, pourtant il me semble qu'il y en a un qui se planque là-dedans. Dans le magasin. Après je suis pas sûr du tout de ce que j'avance. Bonjour, alors. Quelque temps, l'activité de ma boutique est en chute libre. Je pourrais proposer des articles que l'on ne trouve pas sur Marcantile. Un jeune bénévole, eh merde. ouais, non, mais tu vas te calmer direct, toi. T'es une grande malade. D'accord. Ok, en gros, tu fais de la pub. Bon, moi, ça me dit toujours pas où il est planqué, ce petit con. Il est où, ce petit con? Ça me gave. Ça me gave. Je sais plus où il est. Et ça fait 16 minutes que j'enregistre, là, déjà. Même un peu plus. Et si tu ne trouves pas, peut pas faire la quête. Oui, non, je m'en fous de toi. Attendez, je crois savoir. Oh, je crois savoir. Oui, ça a fait flash dans ma tête. Ouais, ça fait mal. Hein. Rigolez pas, ça fait super mal. Il me semble qu'il y a un passage avec une grande échelle. Une immense échelle pour monter. Oui, comme c'est... Non, ta gueule. Ici. Ici. Là, voilà. Il me semble qu'il est là-haut. Putain, si c'est ça, je suis à bouler, quoi. Pas y avoir pensé plus tôt. Bon, bah, c'est pas ça. D'accord, j'ai voulu activer un moulin. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Rien en face? Non, en face. Bandai! Même pas mal. Il est où? Eh, monsieur qui danse, t'as pas vu un garçon qui se planque? Ah bah voilà! Oh putain! Oh l'enculole! D'accord! Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors. Yippee! Voilà, je t'ai eu! Ah, ça fait du bien! Bon, on est à combien là? Ouais, 18 minutes, ça fait du bien de les capturer, oui. Alors, nous avons dû nous redémolir. Un quart de cœur, pourquoi pas? Ce serait gentil que tu ailles présenter nos excuses à Madame Marie. Bon, bah, on va aller présenter vos excuses, vous savez pas les faire vous-même. Bande de petits cons! Oui, oui, je sais, je les insulte. Oui, je sais, je suis comme ça. Et alors? Bon, alors. Oui. Donc c'est fait, voilà. Donc je... Oh, un rubis violet? Ça sert à rien. Ok, alors maintenant, tu as un peu de temps, oui. Je suis assez doué pour deviner quel destin atteint les enfants que j'ai... Hop, par contre j'allume. Ventilo! J'en suis persuadé. Pourquoi tu veux pas me faire le truc? Va te faire foutre. Pute. Ouais. Ouais, je dis pute. On dirait que tu es allé présenter les excuses de Madame Marie. C'est bientôt l'anniversaire de Madame Marie. D'accord, la quête est en deux phases, d'accord. Les pendentifs du bonheur, bah voilà! Oh putain! En grimpant aux arbres, j'ai vu quelque chose qui brillait en haut
d'un des arbres. Si ça se trouve, c'était un pendentif. En haut des arbres. Tu grimpes en haut des arbres, toi, t'es un malade. Faut le faire tomber. Ça, je crois que j'ai jamais fait. Oh, pardon. Là. Celui-là, il veut pas. Bon, bref, je vais aller retourner voir Mademoiselle Marie. Je crois que j'ai assez de pendentifs du bonheur, quand même. Je suis pas sûr, mais je crois que j'en ai assez. On va voir. On va voir. Alors, discutons. Je suis assez doué. Bon, ouais. Hop, d'accord. Tu vas la faire comme ça, on va la faire comme ça. Tac. Un pendentif du bonheur, oui, je sais. Je dois t'avouer que je rafale des bijoux. En ce moment, je suis dingue de cela. J'en accepte un avec joie. J'adorerais en avoir une vingtaine. Ça fait longtemps que je suis maîtresse. Je crois que je sais où t'es venue l'idée. Tendre. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? D'accord, un rubis, ok. Non, mais c'est pas ça que je veux. Ouais, ouais, tiens. Allez, hop. Voilà, d'accord. Disons que je te donne ça comme devoir. Essaye de m'en retrouver 20. Sûr que si tu vas arriver à en trouver 20, encore un petit effort. Bon, et ben maintenant, je sais combien de pendentifs du bonheur il me faut. Donc cette quête, et ben, je la ferai pas tout de suite. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ça, c'est fait. Donc, du coup, je vais faire une autre quête. Quand, tant que je suis à Marcantile, je vais faire une autre quête. Parce que là, c'est vraiment chiant, quoi. On sait vraiment pas où aller. En fait, il faudrait que j'ai une soluce à côté de moi. Il faudrait que j'ai la soluce du jeu à côté de moi pour savoir exactement où aller. Parce que là, Marcantile, c'est vraiment grand, quoi. C'est vraiment très grand. Et je ne sais plus du tout où sont planquées les cartes. Parce que chaque morceau de Triforce a été marqué sur une carte. Et toutes les quêtes que je suis en train de faire là, c'est pour justement avoir les cartes. Oui. Donc après, il faut encore que je fasse déchiffrer les cartes à Tingle. Tingle, qui lui me déchiffre une carte pour 200 rubis. Rien que ça. Et après, je dois aller trouver le morceau de la Triforce par rapport à la carte. Et les morceaux de la Triforce se trouvent sous l'eau. Paye tes quêtes de merde. Ah, bonjour. Ouais, t'as un problème, toi? Grande roue. Elle avait autrefois activée par la force du vent et elle tournait bien. Plus favorable, elle s'est arrêtée. Pourtant, le mécanisme marche toujours. D'accord. Donc, si je me trompe pas. Donc, logiquement. Ça devrait tourner. D'accord, faut que je retourne appuyer sur le bouton. Ensuite, je peux très bien faire. Hein, et on est à combien là? 24? 24 minutes, ouais, je peux faire la petite quête, donc cette petite quête là, et aller chercher une des cartes de la Triforce. Je sais que je suis sûr et certain de savoir où aller. Je suis sûr et certain. Après, je peux me tromper encore, c'est pas sûr. Vous savez, ça fait tellement longtemps que j'avais pas joué à ce jeu que cette partie là, c'est la plus chiante du jeu. Donc, forcément, c'est celle que j'ai zappée. Forcément. Voilà. Et le vent tourne. La roue tourne, pardon. Non, même pas mal. Bon. Donc là, grande roue, c'est fait.
Je vais juste faire la petite quête de la grande roue et ensuite on va à l'île de l'Aurore. Direction l'île de l'Aurore pour... ouais, d'accord. L'île de l'Aurore pour chercher la carte. Je pense... je ne sais pas si je le ferai en deux épisodes aussi, cette session. Je pense que là, les quêtes, comme ça, je risque de les faire en session et non plus en épisode simple. Tout simplement parce que c'est assez long. Que si je m'arrête en cours de route, je pense pas avoir la force de continuer. Tout simplement. Donc je pense que maintenant on va faire des sessions. Oh, c'est beau. Bientôt en HD. N'importe quoi. Oh là 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 là. Alors. Oh homme aux flèches enflammées, le jour où tu paraîtras, l'éclat du phare de nouveau luira. J'ai compris, fuira. Ouh. La mer, la nuit encore éclaira. Nanana, un prophète. Ok. Donc là, en fait, il faut tout simplement tirer une flèche de feu là-dedans. Si j'y arrive. Parce qu'il faut un angle. Il faut un certain angle pour y arriver. Pardon. C'est super chaud. Alors, par contre, est-ce que j'ai pas un truc pour tourner le bidule? Y'a rien pour tourner. Ah non, bien sûr, sinon c'est pas rigolo. Alors, on va peut-être mieux voir ce qu'il y a dedans. Voilà, il y a un brasier. Voilà, un brasier. Bon là, je pourrais pas trop l'avoir. Donc je suis obligé de l'avoir de par là. Peut-être si je me mets là, je serai un peu plus en hauteur. J'aurai un mauvais angle, mais je serai un peu plus en hauteur. Ouais, ça peut marcher. Merde. Ouais, non. Ça marche pas. Non, 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 je voulais pas tomber. C'est pas une grosse quête, donc au pire, on la fera plus tard. Oui. Bon, allez, direction l'île de l'Aurore. Ça fait déjà une demi-heure. En sachant que les phases pour récupérer la Triforce, c'est pas si long que ça. Enfin, les morceaux de cartes, plutôt. Quand on sait où ils sont. Quand on sait pas où ils sont, c'est la galère. Ouais, je m'en fous de ce que tu penses. Je m'en fous. Je m'en fous. Voilà. Allez. Alors, l'île de l'Aurore. Non. Non plus. Voilà. Alors, l'île de l'Aurore. C'est parti. Et vous allez voir une des phases de récupération de cartes. Alors si c'est les mêmes à chaque fois, je les passerai. Je les passerai, tout simplement. Parce que c'est une phase chiante, oui. C'est une phase chiante. En gros, pour vous expliquer, on tombe dans des trous. Voilà. On tombe dans des trous et à chaque fois, il y a une épreuve. Tout simplement. Alors, par contre, que je me souvienne comment y accéder. C'est ici, c'est sûr et certain. Oh, impression. Alors.